Or you soon hope to. But HDTV comes with hefty digital cable bills. Well, it turns out you can get HDTV without paying for cable. Nancy Wood explains. The lowly rabbit ears, practically code for obsolete, except, as it turns out, when it comes to digital TV. If you're in the immediate vicinity of the transmitter sites, rabbit ears are probably going to give you enough signal to receive the TV perfectly. This is actually what our digital television signal look like. Guy Bouchard is one of CBC's technical experts, and in his lab, he can duplicate the conditions in our homes. It's going to be as good, or probably better, than the signal you're getting off most satellite distributor or cable caster. Want to boost that HD signal even more? Put an antenna like this one on the roof. But it depends on where you live. Here on the rooftop of the CBC, a high-definition digital signal is sent out through the air. Which means we're limited to what we're calling the radio horizon, which means it's what we can see. Alexandre Cossette has always loved to tinker. Well, now you can build your own high-def TV antenna. And using information from online forums, built his own antenna for about $30. People think they need to subscribe to an expensive cable service, Cossette says. It's just not true. Any TV can take in a digital signal. The new models have a built-in tuner. The old ones need a digital converter box. At this East End Montreal electronics store, they've seen sales of antennas soar. It's a different market, but it's a market that will grow in the future, because instead of having to pay something month after month, that will be something free for all life long. Free all life long? Could there be anything more perfect? Well, before you climb up onto your roof, remember you'll be saying goodbye to the 500 channel universe, bye to News World and the sports channels. If you want to keep watching them, you'll have to pay. Nancy Wood, CBC News, Montreal. Anciens signaux analogiques. Ce que ça veut dire, c'est que les bonnes vieilles oreilles de lapin fonctionnent toujours sur les nouveaux téléviseurs. En fait, c'est très simple à installer, pas besoin d'être un castor bricoleur. Il y a une entrée pour le câble et une autre pour l'antenne. Dans la région de Montréal, on peut capter Radio-Canada, on peut aussi voir la programmation de CBC et Télé-Québec, et enfin, il y a aussi Télévision 4 saisons. C'est au 23e. Le tuyau que vous voyez là, en haut, là, c'est notre antenne HD. Et la couverture est bonne avec cette petite antenne? Écoutez, l'horizon radio ici est d'environ 70 km. Mais les oreilles de lapin ont de la compétition. Ceci. Avec cette grosse antenne, on peut capter davantage de signaux, entre autres ceux des États-Unis. C'est quand même incroyable. On peut capter CBS, NBC, Fox, PBS. Et c'est tout à fait gratuit. Plus les gens vont être à Montréal ou sur la rive sud de Montréal, plus il sera facile de recevoir les émissions, autant du côté américain que les émissions provenant de Montréal. Outre l'avantage de recevoir gratuitement certains postes de télévision en numérique, des puristes vous diront que la qualité de l'image est supérieure avec une antenne qu'avec un service de câble ou de satellite. On est capable de percevoir une assez bonne différence visuelle entre un signal qui est télédiffusé, soit par antenne ou par câble, versus par antenne, par onde hertzienne directement. Alors, on la chauffe comme le fond. Et puis on va changer. C'est certain que c'est pas flagrant, si on veut, mais quelqu'un qui recherche la qualité optimale, naturellement avec les télévisions qui sont de mieux en mieux, la différence est apparente, oui. Le problème, c'est que certains distributeurs de signaux numériques les compressent pour les faire parvenir à l'usager. Donc l'image est de moins bonne qualité? Sur une base temporelle, elle peut être de moins bonne qualité, effectivement. Chez le câble distributeur Vidéotron, qui compte 1,7 million d'abonnés, on n'en démord pas. On peut parler de compression autant qu'on voudra, mais la chose qui demeure très claire, c'est qu'une fois rendu dans le salon, c'est absolument pas visible et puis le produit est optimal. La distribution par câble ou par satellite offre cependant un avantage de taille, la diversité de l'offre de canaux. Rappelons que le téléspectateur canadien moyen écoute environ 25 heures de télévision par semaine. Pour les autres,
une simple antenne d'autrefois comme celle-ci suffit. Il y a beaucoup de marketing là-dedans. La plupart des antennes qui étaient adéquates pour recevoir le service analogique le sont aussi pour le service numérique. Les caractéristiques n'ont pas changé d'un à l'autre. Well, now you can build your own high-def TV antenna from clothes hanger. Certains mordus vont même jusqu'à en construire une pour pas cher. Des internautes présentent sur le site YouTube des façons très efficaces de fabriquer une antenne. Every HD channel coming in absolutely perfectly. C'est vraiment fait avec la broche à poule? Oui, c'est tout simplement acheté à quincaillerie chez Home Depot. Et ça coûte combien construire une antenne comme? Environ une trentaine de dollars. Mais pour les moins bricoleurs d'entre vous, certains magasins à Montréal se spécialisent encore dans la vente d'antennes. En général, les gens vont s'en sortir avec une facture située entre 150 et 200 $. L'antenne, vous, que vous vendez, est quand même assez sexy. C'est une antenne qui est quand même, pour ce qui se fait sur le marché, qui est assez esthétique, en effet, qu'on peut placer à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison sans problème. Depuis l'automne dernier, vous vendez plus d'antennes? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que les gens commencent à être informés de plus en plus et recherchent la qualité. Il y a souvent des personnes qui vont même avoir le câble ou avoir un système d'antenne parabolique et vont vouloir quand même avoir leur propre antenne extérieure pour avoir l'image optimale sur les émissions haute définition. En août 2011, toutes les télévisions généralistes au pays pourraient être forcées de diffuser leur signal numérique par onde hertzienne. Les bonnes vieilles oreilles de lapin pourraient un jour revenir à la mode. Suprême de deux oranges sans vie. Il y a deux types de cuisine. La bonne. Est-ce que Donna va vivre avec Grace? Et en parlant de ça, je viens de passer un coup de... C'est vraiment incroyable. Après avoir découvert la consommation, les jeunes Chinois réalisent que la vie coûte cher, très cher, et qu'ils doivent vivre en fonction de leurs moyens. Mais en période de crise économique, Pékin aurait préféré qu'ils continuent à dépenser. Michel Cormier. La Chine a connu bien des révolutions, mais aucune comme celle-ci.